soul and sing his praise aloud, sing his praise aloud. Hallelujah. If you're shouting for the Lord, you can do better. Your presence is the air I breathe, the song I sing, but without it, there's no meaning. Your presence is all the song I sing. The song I sing. But without it, the love I need, and without it, without it, without it, there's no meaning. One more time. Lift your voice. Lift your voice. Love I need, and without it,
Stop till I tell you. I love you, Lord. Everybody, don't stop till I tell you. Lift your voice. Give him your best worship this morning. Give him your best. In your house, cry out. I love you, I love you, I love you, Daddy. I love you, Lord. Singing, singing, singing. Singing, I love you, Lord. Oh, singing, I love you. Singing, I love you, Lord. I love you. Vous rentrez dans une saison de fleurissement. You're entering into a season of blossom. Des avions jaunes qui ont quitté les cieux reviennent. Je fais une nouvelle chose parmi vous. Ne le voyez-vous pas, dit le Seigneur.
quand ils disent que c'est terminé, je ne fais que commencer, dit le Seigneur. Ce n'est pas le moment pour être perdu, mais c'est le temps pour le travail du Seigneur. Rien n'est terminé. L'Église est en train de rentrer dans la meilleure saison possible. Trente secondes. Donnez gloire à Dieu pendant 30 secondes. C'est le meilleur temps. Je vois des ministères qui décollent, qui prennent l'envol comme des aigles puissants, qui prennent l'envol. Je vois des jeunes leaders prendre leur envol. Préparez-vous pour la gloire. Ce qui a été conçu, c'est le temps maintenant pour que ça se manifeste. Tout ce qui a été conçu. Continuez de jouer sur le clavier pour moi. Priez dans l'esprit, tout partout dans cet endroit. L'ennemi n'est pas plus intelligent que Dieu. Vous ne m'avez pas entendu, je vais me répéter. L'ennemi n'est pas plus intelligent que Dieu. L'ennemi n'est pas plus futé que Dieu. Il n'est pas plus intelligent que Dieu, non. L'ennemi planifie quelque chose, mais Dieu a déjà planifié 10 autres choses. Alléluia. Quand on dit fermé, moi je dis ouvert. Et quand j'ouvre, je n'ouvre pas seulement un seul. J'ouvre les fondements, la base, et j'ouvre les fenêtres du ciel. Je permets que tout s'ouvre en même temps, afin que l'ennemi n'ait aucune chance d'aller au milieu. Je vois l'Église en train de progresser à cet endroit. Ça ne prendra plus de temps maintenant. Vous arrivez à un endroit de délivrance. Votre délivrance est là, dit le Seigneur. Le délivreur va se manifester. Les choses qui n'avaient jamais poussé vont se manifester. Vous vous tenez sur le bord de la victoire. Je vois une tempête et je regarde et je dis, est-ce que c'est un danger, Seigneur? Et j'entends le Seigneur dire, non, c'est ma visitation, je vais vous visiter. Je vais me manifester à l'Église dans une façon que je n'ai jamais fait auparavant. Dieu est sur le point de se manifester dans le corps de Christ, au travers du corps de Christ, avec une puissante force, des prodiges puissants, dans une façon que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Pour un temps comme celui-ci, j'ai gardé mon peuple. J'ai caché mon peuple. Ça a l'air, il semble que l'ennemi avait gagné. Mais le Seigneur dit, vous ne voyez pas les pierres qui sont cachées dans le sac. Vous en voyez une, juste une petite roche, un petit caillou. Mais il y a quatre encore dans le sac. Il y en a quatre encore cachés. Je parle
aux jeunes personnes tout partout autour du monde. C'est votre heure. Dans une façon incroyable, des jeunes personnes s'élèvent dans le ministère. Voilà ce qui va se passer dans la prochaine saison. Si vous avez vu des jeunes personnes faire le ministère il y a 10 ans, vous allez être vraiment choqués parce que je vois une augmentation de 400%. Oh oui. Quand il fait le plus noir, quand c'est le plus sombre, quand il fait le plus noir, quand c'est le plus sombre, quand il y a beaucoup de sombre autour, la multiplication se passe dans la noirceur, là où il fait le plus noir. Quand on vous persécute, c'est là que la multiplication se passe encore plus vite. La germination, les pousses arrivent quand elles sont dans un endroit sombre. Quand c'est le plus sombre, je déclare la multiplication. Multipliez. Dans vos maisons, je déclare multiplication. Donnez-moi plus de sens, s'il vous plaît, sur les moniteurs. Père, nous te remercions. Nous te remercions. Ouvrez la bouche, remerciez-le, remerciez-le, remerciez-le. Dans vos maisons, remerciez-le. Saint-Esprit. We thank you. Open mouth and thank him, thank him, thank him, thank him, thank him. In your house, thank him. Ezatamana. Holy Spirit. Reke lando masate renda brosa mabru lebro tanda zeke mabre la pratasa me. Cher enfant de Dieu, dans la dernière saison, même si vous aviez très peu de force, vous n'avez pas renié son nom. Je vois des gens. Le Saint-Esprit me montre. Le Seigneur me montre. Regarde comment ils sont faibles. Regarde. Regarde leur lutte, leur combat. Regarde comment, combien ils ont souffert. Et malgré tout, ils se tiennent encore. Ils se tiennent encore. Je pleure avec quelqu'un. Tu as tellement souffert dans les derniers 6 mois. La main de Dieu. Pendant que je me tiens ici, il y a quelque chose qui veut me faire sauter et aller plus proche de la caméra, de là où je suis. Parce que c'est comme ça que Dieu... Écoutez en ce jour, vous qui avez été brisés. Tenez-vous debout, homme de Dieu. Toi qui as été brisé, dans tes mains fragiles, tu as été tellement fidèle. Tu n'as pas fait tomber ce qu'on t'a donné. C'était très dur pour toi. Mais tu as loué le Seigneur. Tu l'as adoré. Quand vous commencez à entendre Dieu, vous êtes transporté dans le moment. Vous ne faites pas seulement qu'écouter. Et moi, je me vois là, je me tiens et je vois des mains faibles. Et je vois quelqu'un qui tient une miche de pain. Ta main est faible, mais tu n'as pas fait tomber le pain. Le Seigneur te respecte. Je veux déclarer ceci sur toi. C'est terminé. Écoute-moi. Peu importe où tu es. C'est terminé. C'est fini. Cette saison de fragilité est terminée.
cette saison, que tes mains étaient faibles. Alors aujourd'hui, ce matin, nous vous avons donné des instructions hier soir. Ceux qui ont porté attention, je vous dis qu'il y a une main puissante qui arrive sous la main fragile, la main faible. Je dis qu'il y a une main puissante qui arrive en dessous de la main qui était faible. Je veux que vous sachiez que vous ne souffrirez plus. Ce genre de souffrance, qu'on vous a retrouvé à genoux, ça n'arrivera plus. Parce que dans la prochaine saison, peu importe la souffrance que l'ennemi va envoyer, vous allez fonctionner avec une grande force. Je veux que vous sachiez qu'aujourd'hui, dans le mois de mai, nous devons suivre certaines instructions du Seigneur. Et voilà pourquoi nous faisons ce service dans cette manière. C'est intentionnel. Peut-être vous ne comprenez pas tout ce que nous faisons et le raisonnement derrière. Mais ce n'est pas un problème. Ce que vous devez savoir, que ce n'est pas une coïncidence que ça soit comme ça. Donc, je vais garder le service assez court, vous donner certaines instructions. Et je veux que vous alliez de l'avant. J'espère que ce mois-ci, vous avez vu le calendrier. Et c'est à partir du livre des 2 Chroniques, chapitre 5. Ça vient de là, les instructions. Alors, j'aimerais vous prendre rapidement là. Et après, nous allons encore adorer. D'accord? Soyez prêts avec quelque chose. Oh, j'aime le Seigneur. Ce ministère est rien sans la présence de Jésus. Ça, c'est notre but. Nous voulons remercier le Seigneur pour cela. Amen. Nous savons, tout le monde sait, ça a été déjà dit, ça a été enregistré dans l'histoire, que Salomon a bâti le temple. Mais j'aimerais vous demander, est-ce qu'il l'a vraiment fait? Parce que vous voyez, habituellement, les crédits pour quelque chose vont aux personnes que vous voyez au devant. C'est le constructeur qui reçoit tous les mérites. C'est celui qui a participé, contribué, qu'on met son nom au devant. Et dans la pièce, ne devenez pas silencieux, s'il vous plaît. Mais la vérité, au derrière de la construction du temple de Salomon, est que c'était roi David qui
qui a donné des instructions méticuleuses, à savoir comment le temple devait être bâti. En fait, il lui a donné des détails, comment les pièces devaient être, les longueurs, les largeurs, des détails, à savoir quel genre d'ustensiles, quel matériel, quelle qualité utiliser. Il a tout placé. Et il est sorti maintenant de l'image. Et son fils est venu et a commencé à bâtir. Et maintenant, il y a un temple glorieux qui est formé. Mais on ne peut aller sans que nous nous reconnaissions de ne pas discréditer le souffle, le murmure d'un papa. Les instructions d'un père dans le secret sont les piliers de toute grandeur en public, de toute réussite. Et vous voyez, ceci est vrai même dans le Nouveau Testament. Vous voyez l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens qui arrive vers eux et dit, j'ai bâti les fondements. J'ai bâti les fondements en rapport avec la grâce de Dieu qui m'avait été donnée. Il n'est pas assis en dire, je suis un humble homme de Dieu. Non, il reconnaît que Christ travaille avec les êtres humains afin d'accomplir. Prophète, nous avons ce verset, s'il vous plaît. Dans 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Alors, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un constructeur avec talent, j'ai bâti les fondements et un autre bâti dessus. Alors, c'est comme ça que fonctionne la vie. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de construire quelque chose, c'est toujours parce qu'ils ont reçu un plan de quelque part. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit en rapport avec la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Fut un temps, nous voulions faire un peu de travail ici, sur notre balcon, notre deuxième étage. Nous avons appelé le constructeur, l'architecte, et ce qu'il nous a dit, la première chose, c'est qu'il a dit, « Pouvez-vous m'envoyer le plan? Je dois voir comment est la structure de la bâtisse. » Parce qu'il y a certaines structures qu'on ne peut pas aller plus loin parce que les fondements peuvent seulement supporter ce genre de poids. Alors, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que ce père devient cette fondation sur laquelle Jésus-Christ est encore la pierre angulaire. Il n'a pas peur de le dire tel que c'est, qu'il y a une fondation qui a été placée. S'il y a quelque chose que l'ennemi combat dans le royaume de Dieu aujourd'hui, c'est le fait d'avoir donné le plan, le don de donner le plan, la façon très bien faite de donner le geste, donner le plan. C'est ça que l'ennemi combat dans le royaume de Dieu. Nous avons trop de papas qui sont en train de compétitionner avec leurs fils, trop de fils qui essayent de prouver que leurs pères sont dans l'erreur et Satan a gagné. Parce qu'il n'a pas saboté l'édifice,
Il a saboté le plan originel. Donc, il est allé bâtir quelque chose. Mais ça n'a jamais été le plan originel. Donc, tu as pensé d'avoir gagné. Tu pensais que tu avais gagné. Mais c'était actuellement Satan qui avait gagné. Parce qu'il a saboté le fait de donner, de léguer la synchronisation du cœur de Dieu qui est venu vers quelqu'un avec des décennies de sacrifices, des décennies de mort. Quand David a donné le plan, Salomon, tout ce qu'il avait à faire, c'était de faciliter cet édifice avec des biens. Et vous savez que même ces biens-là n'étaient pas à lui. Les biens venaient aussi à cause de la bénédiction du Père. La bénédiction est venue au-devant des biens. Et là, tout ce qu'il avait à faire, c'était d'arranger les bénédictions, de les tourner, les bouger, les manœuvrer, assurer qu'elles viennent, que les bûches du Liban arrivent près des rivières, que les rivières arrivent là où vous êtes. Organiser, faciliter tout ce qui avait été déjà prononcé sur votre vie. Oh, les facilitateurs de bénédiction de ce qui est déjà ordonné sur votre tête. Voilà qui vous êtes. Vous facilitez les choses. Vous œuvrez. Vous placez les choses. Est-ce que je peux déclarer aux facilitateurs, est-ce que je peux appeler votre esprit, filles et fils, ceux qui sont en lien avec ce ministère, devenez des facilitateurs des devoirs divins qui étaient ordonnés avant la fondation de la terre. Faites qu'ils puissent arriver. Faites que ça s'accomplisse. Alors David, peut-être n'est pas là, mais il y a un fils qui peut se tenir sur la finition de ce que le Père avait commencé, afin que vous puissiez bien comprendre. Le Père a divinement orchestré. Il a commencé à appeler les choses que le Fils a reçues pour amener à la conclusion. Alors, vous voyez le Fils amener la chose à la conclusion, c'est parce que il était capable de toucher à quelque chose qui était en action des décennies auparavant. Alors, beaucoup de personnes ne voient pas le lien. Ils voient l'accomplissement, mais ils ne voient pas la connexion. Ils voient le succès, mais ils ne voient pas qu'est-ce qui a poussé vers le succès. La balle roulait depuis longtemps, avant même que vous soyez au courant qu'elle roule. Aujourd'hui, je vous déclare, ce que j'ai dit aujourd'hui, dépasse une génération. Ça va au-delà. En fait, ce que je déclare aujourd'hui, parce que cela vient d'un endroit que vous ne reconnaissez pas ou que vous ne comprenez pas complètement, écoutez-moi très bien afin que je puisse vous aider à recevoir cette parole de la meilleure façon. 1, 2, 3 générations. Les choses sont en activité ce matin. Jusqu'à la troisième génération.
J'aurais aimé dire quatre, mais je ne le vois pas. Mais je vois la troisième génération. Ça touche le fils de votre fils. I'd like to say four, so it'll sound very biblical, but I don't see it. What I'm seeing, it touched the third generation. It's touching a son's son. Sur le piano. Vous voyez? La raison pourquoi plusieurs personnes ont le démon de démence, d'oubli. C'est parce qu'ils ne reconnaissent qu'ils sont en train de bâtir sur quelque chose qui était en activité même avant que je ne sois au monde. Et juste parce que vous ne le voyez pas, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Juste parce que vous n'avez pas été assis à boire du café avec cette personne, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Parce que la grâce vous a été donnée. Et vous n'avez jamais vu la grâce venir dans un document écrit. Mais pourtant, c'était là. Vous voyez, c'est là que les gens vont sur une autre tangente. C'est là que les gens vont sur une autre tangente, une autre ligne. C'est là que les gens ne réalisent pas que bâtir est la façon, la partie la plus facile. Mais pouvez-vous soutenir cela? Parce que au milieu de bâtir, du moment de bâtir ce temple glorieux, Salomon a oublié ce qui a mis ce beau temple en activité. Et en un instant, tout ce qui était glorieux commence à s'effondrer. Parce qu'ils ont oublié les talents de la fondation. Que la grâce de Dieu avait permis que ça soit fondé dessus. Et ils ont commencé à prendre gloire en ce qu'ils étaient en train de bâtir. Et tout de suite, ils ont commencé à se détacher du commencement. Et là, vous voyez que ce qui devait demeurer glorieux perd sa gloire. Ah. Donc, j'ai vu Satan qui ne vous perdrait même pas de bâtir. Bâtir n'est pas un défi, c'est une grâce sur vous. Quand bâtir devient facile. Mais pouvez-vous soutenir et garder cet édifice? Pouvez-vous gérer cette grâce afin que vous le passiez vous aussi à votre fils? Pouvez-vous soutenir, le faire subsister afin que ça passe vers votre fille? On se concentre tellement sur la construction. Essayons de nous concentrer à le faire subsister jusqu'à le passer à la prochaine génération. Et c'est en train de se passer maintenant, ce matin. Les choses se passent dans une différente dimension. Voici Salomon à la dédication du temple. L'homme sage qu'il est, il aurait pu venir devant Dieu et dire, « Dieu, regarde comment j'ai travaillé fort pour toi. Regarde tout le travail que j'ai fait pour toi. Regarde, mon père n'a même pas terminé un dixième de ce travail. » Au contraire, à cause de la sagesse qui lui a été accordée comme aucun autre homme que l'humanité n'a vu, se tenant sur cette sagesse, il sait quoi prier et il prie. Dieu, souviens-toi de mon Père. Wow. Ne te souviens pas de mon travail, parce qu'il sait que ce travail avait été activé par quelqu'un d'autre. Moi, je suis seulement en train de récolter de cela. Donc, peut-être que je suis un constructeur.
mais ça ne se tient pas à cause de ma construction, mais à cause de la fondation de cet édifice. Pouvez-vous relier les points? Vous êtes en train d'avoir du succès à votre travail et vous pensez que c'est votre certificat qui vous a mené là. Non. Savez-vous combien d'autres personnes ont le même certificat que vous et ils n'ont pas le travail que vous avez? Vous pensez que c'est votre talent? Savez-vous combien d'autres personnes ont le même talent que vous et ils n'ont pas eu le succès que vous avez? La sagesse requise pour qu'ils disent une prière dans une façon que peut-être ils n'auraient pas fait, que ça ne leur aurait pas permis de prier comme ça. Il se tient là. Il amène le dixième au niveau du temple et commence à suivre les instructions de son père. Et il amène l'arche dans le temple. Et là, il continue et s'assure que tous les ustensiles saints sont dans le temple. Au verset 5, je crois, il commence à sacrifier comme jamais auparavant. He begins to, in verse 5, I believe, he begins to sacrifice like never before. Homme de Dieu, vous vous référez, je crois, à 2 Chroniques 5, verset 6, qui dit « Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoquée auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. » Et il y a certains d'entre eux qui essaient d'avoir le 10% correct. La sagesse nécessaire pour qu'ils puissent savoir. Il n'y a aucun nombre de sacrifices qui pourrait faire justice à tout ce que je fais. Et il commence à porter le succès. Il y avait un temps que pour rencontrer Dieu, il amenait 10 000, il amenait 1 000. Et cette fois-ci, il a dit non. Moi, je veux donner jusqu'à ce qu'on perde le compte. On ne peut plus compter combien est-ce qu'on a donné. Je vous donne des instructions pour ce mois. Ce mois-ci, l'instruction va vous protéger de toute plaie qui est en train de peser l'espace, sur la terre. Ça ne vous touchera pas dans le nom de Jésus. Vous aurez la victoire dans le nom de Jésus. Là où plusieurs ont péri, là où plusieurs se sont noyés, vous allez marcher sur les eaux. Ils ont commencé à sacrifier jusqu'à ce qu'ils perdent le compte. Ils ne pouvaient plus compter. Ils étaient très bons à enregistrer et compter. Là, ils ne pouvaient plus compter. J'aimerais que vous puissiez vous souvenir de ceci. Les choses de Dieu, vous devez apprendre à connecter les points, à les relier. Quand vous commencez à suivre les instructions, ces instructions-là vous conduisent à un endroit de rencontre. Donc, vous suivez les instructions, suivez-les méticuleusement. Il n'a pas fini. Autour du verset 12, il commence à prendre, choisir au travers des centaines de prêtres, des lévites. Et il est écrit que c'était leur devoir. C'était leur devoir. Un devoir de louer Dieu. Oui, j'aime ça. Vous voyez, ces gens-là avaient de l'ordre. Ils étaient commandés à adorer. Je crois que c'est verset 13. Oui, homme de Dieu. On dit verset 12 à 13.
et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman et Jedutun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, verset 13, et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Ah, nous avons besoin de trompettes, hein? On a besoin de trompettes, pasteur, ici, dans cette maison. Oui? Alors, encore une fois, relisez encore du début. Alors, verset 12. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jedutun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, quelle version est-ce que vous êtes en train de lire? Si vous auriez changé de version, il y a un mot au verset 13 que j'aurais aimé qu'on l'utilise. Et on disait que c'était le devoir. Alors, en d'autres termes, Salomon a donné des instructions. Alors, il dit, moi, je m'en fous si vous y croyez. Je ne sais pas si c'est votre sensation, votre émotion. Si vous sentez que le Seigneur vous guide à le faire ou pas, si vous le sentiez ou pas, non. Je ne me sens pas prêt à acclamer. Il dit non, c'est votre devoir. Je vous ordonne en tant que le roi dans la maison. C'est comme ça que vous vous tiendrez. C'est comme ça que vous allez vous habiller. C'est comme ça que vous allez être. Vous allez chanter si fort. Vous allez souffler très fort la trompette comme ça. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui va dire, mais si je chanterais doucement, est-ce que Dieu n'entendra pas ma voix? Oui, tu peux le faire dans ta maison, mais dans ma maison ici, dans la maison de Dieu, par les instructions qui me sont données, par la compréhension que j'ai reçue, c'est ton devoir. Est-ce que tu peux le prendre comme étant ton devoir, ton obligation? J'ai dit cela auparavant. Quand les instructions de ton père commencent à être un ordre à ton esprit, c'est là que les percées arrivent. Parce qu'il y a un point où tu ne dis pas, « Ah oui, je vais faire de mon mieux pour taper des mains. » Non, je t'amène les instructions pour ce mois-ci. Vous savez, j'ai interrompu ce que je vous enseignais pour vous apporter cette parole. Vous savez que nous sommes dans un différent sujet. Alors cette semaine, je me suis dérogée de là pour vous amener une parole d'aujourd'hui. Alors, c'est correct si vous... Cette parole peut-être ne s'applique pas à tout le monde. Mais il y a des corbeaux à qui Dieu a ordonné d'aller voir Élisée. Il y a des veuves à qui on a instruit d'aller vers Élisée. Ceux qui sont ordonnés de recevoir l'instruction. Oh. Si vous êtes dans les circonstances de cette voie, je vous amène des instructions. Ce mois-ci, que votre louange soit assez forte, plus forte que les rapports du médecin. Je dis ce mois-ci, que votre louange noie chaque mensonge de l'ennemi. Ce mois-ci, même si vous ne priez pas, je veux que vous louez.
Ce mois-ci, même si vous ne faites rien, je veux que vous dansiez. Ce mois-ci, même si vous ne faites absolument rien, je veux que vous chantez très fort dans votre maison. Ce mois-ci, je veux que vous localisiez les meilleures louanges, les musiques de louanges qui attirent la présence de Dieu dans votre maison. Et mettez-le sur répéter pendant les 30 jours. Et préparez-vous. Les chaînes briseront dans le nom puissant de Jésus. Parce que quelque chose se passe quand vous suivez les instructions. Lisez-le, homme de Dieu. Le verset est très clair. Tout ce qui s'est passé, ça a pris des mois, des années, et tout est accumulé. Ils ont suivi les instructions, ils ont fait le sacrifice, ils ont bâti l'autel, ils ont fait toutes les étapes, tout. Et à la finale, ce n'était pas compliqué sans ces dernières informations. Commencez à tout faire à partir de votre côté à vous. Suivez les principes. Et quand vous fermez les yeux, et là, vous oubliez Salomon. Et là, vous oubliez tout le monde autour de vous. Et là, vous commencez à lever les mains vers les cieux. Et vous commencez à chanter à l'amoureux de votre âme. Et vous dites que ta miséricorde dure à toujours. Car par ta miséricorde, ma famille se tiendra. Par ta miséricorde, mes enfants ne tomberont pas. Par ta miséricorde, ma famille survivra. Par ta miséricorde, ma famille va continuer à réussir. Par ta miséricorde, je m'élèverai par ta miséricorde. Car ta miséricorde dure à toujours. Pas pour un jour, mais pour toujours, à jamais. Le Seigneur qui vous a gardé, préservé de ne pas mourir l'année passée, sa miséricorde dure à toujours. Donc la grâce qui vous a gardé jusqu'au dernier mois passé, sa miséricorde dure à toujours. La grâce qui a parlé pour votre maison la semaine passée, sa miséricorde dure à toujours. Ce matin, j'aurais pu mourir dans un accident de voiture, mais ta miséricorde dure à toujours pour la prochaine heure, la prochaine semaine, le mois prochain. Mes enfants étaient bénis l'année passée. Mes années seront bénies l'année prochaine. Tu as gardé mon premier-né. Tu garderas mon deuxième-né, mon troisième, mon quatrième, mon cinquième. Ta miséricorde dure à toujours. Je n'ai pas de temps pour écouter les mensonges de l'ennemi. Ta miséricorde dure à toujours. Oui, il fait noir, mais ta miséricorde dure à toujours. Que quelqu'un danse dans votre maison. Que quelqu'un saute dans votre maison. Que quelqu'un se courbe dans votre maison. Que quelqu'un s'agenouille. Que quelqu'un embrasse les pieds de Jésus dans votre maison. Que quelqu'un crie que ta miséricorde dure à toujours. Oh yes. Quand je dis ta miséricorde dure à toujours, je ne suis pas en train de penser à ce que tu as fait la semaine passée. Je te remercie pour ce que tu vas faire aussi la semaine prochaine. Tout en moi me dit de me plaindre d'aujourd'hui. Mais je n'ai pas le temps de me plaindre d'aujourd'hui parce qu'il y a un devoir qui est placé comme étant une instruction par mon Père. C'est un ordre qui m'est donné, que je n'ai pas le temps de me plaindre cette semaine. J'ai dit, je n'ai pas le temps, alors démon, sort de ma tête. Sa miséricorde dure à toujours. Publiez-le sur votre lit, publiez-le dans votre salon, affichez-le sur votre frigo, mettez-le dans votre voiture. Sa miséricorde dure à toujours.
Quelle chanson pouvons-nous chanter avec sa miséricorde qui durera toujours? Si nous n'avons pas de chant, nous devons en créer un d'ici la semaine prochaine. Sa miséricorde durera toujours. Pas à cause de mon travail, mais à cause de sa miséricorde. Vous n'avez pas compris, vous ne m'avez pas entendu. Pas à cause de ton travail. Cette miséricorde ne te couvre pas parce que tu es une bonne personne. Parce qu'il y a quelque chose qui a été activé et tu touches à cela par la miséricorde. La miséricorde. Car ta miséricorde durera toujours. Êtes-vous prêts, peuple de Dieu? Voilà pourquoi nous sommes interrompus. Prophétiquement interrompus. Hein, ce n'est pas démoniaque. Vous devez comprendre, la parole est prête pour les prochains 6 mois. Si je prêche à chaque jour, les prochains 6 mois, on n'aura jamais encore terminé ce qu'on a commencé. Il y a des dimensions dans lesquelles on touche, on rentre. Pendant les 3 derniers jours, l'Esprit du Seigneur a commencé à me dire, il y a quelque chose qui m'a complètement pris par surprise. Et j'aime quand Dieu me surprend. J'aime les surprises de Dieu. Oui. Ce mois-ci, écoutez-moi bien, le mois de mai, vous ne serez pas incertain du mois de mai et dire que peut-être que vous vivrez. Mais au contraire, vous allez réécrire l'ADN du mois de mai et vous déclarerez, oui, je vivrai. Qu'est-ce qui se passe, homme de Dieu? Et quand ils ont commencé à faire cela, qu'est-ce qui se passe? Écoutez ce que Dieu dit. Est-ce que vous écoutez, peuple de Dieu? Vous devez avoir ce message, le partager à autant de personnes. Assurez-vous qu'il soit relié à la grâce qu'il y a sur ce message. Et je vais prier. J'espère que vous leur avez demandé de préparer une bouteille d'eau. J'espère que cette bouteille est là devant vous. Cette eau va recevoir un commandement du Seigneur ce matin. Et cette eau, quand elle va rentrer dans votre corps, elle va nettoyer toutes les choses que l'ennemi a placées. Préparez-vous. Certains d'entre vous, quand vous allez boire l'eau, vous allez vous sentir comme si vous avez envie de vomir, sentir des choses sortir de votre corps de toutes les manières. Ne soyez pas étonnés. Le Dieu qui a ordonné à l'âne ou au mouchoir de l'apôtre Paul, ça va aussi commander à l'eau. Les choses vont se passer pendant que vous adorez dans le prochain chant. Vous n'êtes pas seulement en train d'adorer, vous adorez sur des instructions divines. Vous allez regarder les miracles se passer. Vous allez voir des percées qui se passent. Je vois un individu qui, cette personne n'est même pas capable de penser très très bien. Elle, c'est comme si il y a un esprit qui a pris contrôle de cet individu. Mettez l'eau dans son café, cette bouteille d'eau-là. Vous allez voir, il y a des esprits qui contrôlaient la pensée des gens. Ils vont se réveiller, vous allez voir. Ils vont se réveiller. Certains d'entre vous, vous allez dormir beaucoup mieux après ceci. Certains d'entre vous, vous deviez vous endormir, mais vous êtes resté réveillé pour écouter ceci. Voilà pourquoi les instructions dans votre esprit, vos oreilles physiques n'ont pas entendu l'instruction que votre oreille spirituelle a eue. Et ça se passe maintenant. Et ils ont dit par ces paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Encore une fois, verset 13. Alors, ils ont dit, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Encore une fois. Et par ces paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen.
et par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Je vais déclarer quelque chose à la fin de cela. Je vais le déclarer trois fois. Et quand je ferai cela, si vos genoux vous permettent, j'aimerais que vous puissiez vous tenir et le recevoir. Et cela deviendra une prophétie sur votre vie. Juste par l'obéissance. Juste par l'obéissance. Encore une fois, par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Votre maison. La maison, votre maison. Votre chambre. Je sais, certains d'entre vous, dans ce vidéo, ça va être regardé dans des chambres d'hôpital. Préparez-vous. Dans les 10-15 prochaines minutes, pendant que vous prenez part de cette adoration, votre maison va être remplie. Et la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. La maison, même la maison de l'Éternel, fut remplie d'une nuée. Il y a un nuage qui peut remplir votre maison, qui va amener de l'oxygène à vos poumons. Supernaturellement. Pendant que vous regardez, pendant que vous écoutez, les instructions viennent à vos poumons. Vos mains fragiles. La main du Seigneur va maintenant porter votre main fragile, faible. Pendant que vous regardez, mettez la main sur vos poumons. Ce que la machine n'est pas capable de faire à vos poumons, cette nuée va vous aider. Prenez une grande respiration. Respirez encore. Respirez encore. Je vais déclarer les trois choses sur vous. Le Seigneur est votre aide. Et il est votre protecteur, votre bouclier. Le Seigneur est votre aide. Il est là pour vous aider. Et il est votre bouclier. Maintenant, la nuée vous remplit maintenant. Le Seigneur est notre aide. Et il est notre bouclier. Votre corps m'écoute maintenant. Toutes les cellules dans votre corps, qu'elles soient corrigées. Les cellules de votre corps, qu'elles soient corrigées. Que toute cellule de votre corps qui n'est pas censée être là, dans le nom de Jésus, je vous commande que vous ne pouvez pas résister à Dieu. Mourez dans le nom de Jésus. Que tout élément étranger dans votre corps, quand ils sont arrivés à vous au travers de l'air, ou qu'il vous soit injecté, que cette grâce élimine tout ce qu'il y a qui peut vous faire mourir dans votre corps dans le nom de Jésus. Toute chose par ignorance qui a été placée dans votre corps pour changer votre ADN, rencontrez Dieu maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père, je relâche le manteau de guérison sur ses enfants. Over your
Je relâche le manteau de guérison sur tes enfants. Je relâche le manteau de guérison. Comme Boaz qui a étendu son manteau sur Ruth, le manteau de guérison, je prie qu'il soit étendu sur cette vidéo dans le nom de Jésus. Père dans les cieux, je prie que même si cette vidéo est regardée 6 mois plus tard, je prie que ce manteau sera encore en train de couvrir ceux qui se sont connectés à cette vidéo par la foi. Père, que ce manteau soit leur rédemption, que ça puisse les racheter de la mort, des griffes de Satan, des griffes de la maladie, des griffes de mensonges et de déceptions. Vous êtes libre dans le nom de Jésus. Vous êtes libre dans le nom de Jésus. Et à partir du moment que vous regardez cette vidéo, dans les 30 prochains jours, ces instructions s'appliqueront à vous. À partir du mais peu importe quand vous allez regarder cette vidéo, 30 jours d'ici là, éliminez toute chose qui ne loue pas, qui ne déclare pas la gloire de Dieu. Éliminez toute prédication qui amène la condamnation dans votre esprit. Tout ami qui amène des choses sans foi dans votre esprit. Dans les 30 premiers prochains jours, soyez vraiment gardés dans le nom de Jésus. Tout être humain qui vient près de vous et qui se justifie les mensonges de l'ennemi, éliminez ces personnes-là dans les 30 prochains jours. Protégez votre environnement afin que les nuées de Dieu puissent subsister dans votre maison. La nuée de Dieu est arrivée dans votre maison. Que vous puissiez la voir ou non, recevez cette déclaration dans le nom puissant de Jésus. La nuée de Dieu est rentrée dans votre maison maintenant dans le nom de Jésus. Les pasteurs et leaders qui sont ici, je veux que vous regardiez cette vidéo dans votre maison. Et vous allez regarder la nuée qui rentre aussi dans votre maison. Priez dans vos maisons, élevez la voix. Hallelujah.
Because you are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy enduring forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation. Say we worship, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, we worship you, for we worship who you are. Oh, 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 oh. We worship you, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Oh, you are good. Yeah, you are good. Oh, come on, somebody declare, say, you are good all the time, all the time. You are good. Come on, say, you are good all the time, all the time. You are good. Declare, say, you are good all the time, all the time. You are, say, you are good. Come on, you are good all the time, all the time. You are, say, you are good. You are good all the time, all the time. You are, come on, declare all over this place. You are good all the time, all the time. You are, say, you are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are, say, people from every nation, come on. People from every nation and tongue, from generation to generation, say, people from every nation and tongue, from generation to generation. Come on, people from every nation and tongue, from generation to say, generation. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you.
Adorez-le, adorez-le, dans votre lit, dans votre balcon, partout où vous êtes. Tu es bon, Seigneur, en tout temps. Acclamez, peu importe où vous êtes, adorez le Seigneur. Les percer. You are good all the time.
the Lord the best shout of hallelujah. Donnez au Seigneur la plus grande acclamation d'alléluia. Now, listen to me, Satan. Maintenant, écoute-moi, Satan. Enlève tes mains sales de ces justes du Seigneur. Ces gens-là sont lavés par le sang de Jésus. Oui, Satan, je te parle à toi. Je suis le messager envoyé par le Seigneur et je t'adresse. Toi aussi, maladie. Cette maladie, je lui parle dans la maison. Bye bye. Directement, je te dis bye bye. Quitte cette maison dans le nom de Jésus. Laisse cette personne dans le nom de Jésus. Quitte cette famille dans le nom de Jésus. Satan, prends tes poubelles et sors dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es guéri et libre dans le nom de Jésus. Je te commande dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Je te commande, lève-toi maintenant de ton lit de malade et mange ton fruit. Je te commande maintenant dans le nom de Jésus que la maladie ne sera plus chez toi. Le Seigneur touche tes yeux. Le Seigneur touche à tes sens. Que tes sens soient de retour dans le nom de Jésus. Mange quelque chose maintenant et tu verras que le goût t'est revenu dans le nom de Jésus. Prends l'odeur du parfum sang et tu verras que tu retrouves tes poumons qui soient refaits entiers dans le nom de Jésus. Que tes nerfs soient refortifiés. Que toutes cellules soient refortifiées. Le nom du Seigneur est écrit en haut de ta tête. Le nom du Seigneur est écrit en haut de ta tête aujourd'hui, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, écoute-moi. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur, j'ai dit. Le nom du Seigneur est écrit sur ta tête. Les cercueils ne peuvent pas retourner ce nom. Ils ne peuvent pas garder ce nom. Alors, je te le dis, le nom du Seigneur est écrit sur ta tête. Peux-tu le croire? Peux-tu agir? Peux-tu penser comme cela? Peux-tu fonctionner comme ça? Parce que ton miracle est attaché à cela. Reçois ton miracle aujourd'hui. Écrivez-nous, écrivez-nous. Témoignez, écrivez-nous. Les miracles sont déjà en train d'arriver. Les guérisons sont déjà en train d'arriver. Il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Oui. Nous allons laisser l'équipe de louange s'amuser encore pendant un bout de temps. Et vous aussi, vous allez apprécier la présence du Seigneur. Que la présence puisse remplir chaque pièce de votre maison. Si vous pouvez porter votre appareil dans chaque pièce, chaque chambre, et dire que sa miséricorde durera toujours. Et laisser toute maladie sortir de votre maison. Père, je te remercie comme étant le médiateur de la foi. Que cette eau maintenant, qu'elle porte la grâce que Dieu relâche. Je bénis cette eau. Que cette eau soit un point de contact. Dans le nom de Jésus. Père, tout comme c'est écrit dans les Écritures, partout, peu importe quand la personne utilise par la foi le sel, le prophète Élie a utilisé le sel. Il y avait aussi les mouchoirs. Peu importe ce qu'ils avaient utilisé, de l'huile, par la foi. Alors, parfois aussi, par la foi, moi aussi, nous faisons, comme c'est écrit dans la Bible, que cette bouteille d'eau soit un témoin de la grâce de Dieu dans cette maison. Que cette bouteille soit un témoin. Ce qu'ils peuvent être témoins que cette bouteille fasse. Vos Écritures parlent des rochers qui sont des témoins. Alors que cette bouteille d'eau soit aussi témoin de la miséricorde qui durera toujours. Gardez cette bouteille dans vos mains. Bouteille, sois le témoin. Va dans toute cellule du corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Travaille, fais ce que tu dois faire. Cette maison témoignera
les bontés de l'Éternel. Cette maison témoignera les bontés de l'Éternel. Que mon Jésus n'est pas mort, qu'il est vivant. Mon Jésus est encore en train de faire des miracles. Que quelqu'un partage cette vidéo à quelqu'un d'autre, qu'il s'assoie avec lui, qu'il écoute, et imposez-lui les mains aussi et priez afin qu'il puisse sortir de cet hôpital dans le nom de Jésus. How great is our God. Oh, sing.